Allez, les derniers combats avant la fin de la bêta qui termine à 9h du matin. Là, il est 8h30. J'ai foiré la furie. Putain, je suis terrible. Je me suis trop précipité. Y arriver hein. Là, je rate ce combo là, c'est grave hein. Je me dévoile trop. Battle.
Je vais essayer de le mettre là. Hein. On va voir. Hein. Merde. Là, j'ai ma chope. Ok. Bon. Ah, Nina, enfin! La première fois que je tombe sur une Nina. Première Nina que j'affronte là. Non, ça le tue pas. Je le touche, mais ça le tue pas. Par contre, lui, il me tue. Enfin, j'ai réussi. Bah, j'en profite, hein, vu qu'il connaît pas. Non. Ah si, ah bah, bah si. Il n'y a pas besoin d'autant de bastos hein, pour tuer un être humain, hein, sachez. Je la trouve stylée, Nina. Même dans Tekken 7 aussi, je la trouvais. Mais bon, elle a toujours été stylée, hein, mais je l'ai jamais jouée. J'ai toujours trouvé stylée, mais je l'ai jamais jouée, Nina. Dans Tekken 7 aussi, dans sa robe de mariage, je trouvais qu'elle était tellement classe. Mais je sais pas, jamais joué, jamais été intéressé par Nina. Bon, je pense que ça, si je fais pas de revanche, ça va être mon dernier combat, hein. De cette bêta, parce que là, faut que j'aille bosser, là. Je me suis dit, bon, j'ai un petit créneau de 5 minutes. Ouais, bon, là, ça répond pas. Bon, ok. Bon, ben voilà, hein, le jeu est convaincant, hein, comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, hein, vraiment, pas de problème. Hein, le jeu est là, le jeu est là, pas de problème. Le jeu, il est flippant, il est puissant, c'est beau, ça tape, ça pète, pas de problème. Juste un tout petit peu encore dubitatif sur le système de hit, donc je pense qu'il faudra beaucoup le jouer pour avoir un avis. Pour l'instant j'en ai pas vraiment, hein, voilà. Je sais qu'ils ont enlevé une jauge, donc ce qui, je pense, là pour le coup, c'est une bonne idée de le laisser comme ça. Après, évidemment, on va s'habituer, et tout ce que j'espère, c'est dans le attends, je vais baisser un peu le son du jeu, parce que je sais que souvent ça crache, hein, ces jeux là niveau son.
c'est ce que j'espère, c'est un perso original, voilà. Parce que là, on a combien? On a 16 persos, si je dis pas de bêtises. Il y a 16 persos et tous les persos, on les connaît. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, voilà. Donc, il y a 16 persos, donc on les connaît tous. C'est bien. Ce serait bien d'avoir un ou deux persos. Ouais, voilà, hein, tu peux commencer avec 20 persos. Voilà, deux persos vraiment originaux qu'on n'a jamais vus de Tekken. Pourquoi pas avec des styles de combat qu'on n'a jamais vus dans Tekken, ce serait bien. Donc voilà, et je pense qu'on aura la date de sortie du jeu à l'Evo en août, à mon avis. Ça c'est mon avis. En tout cas, c'est ce qui semblerait logique. Et une bêta cette fois-ci ouverte pour qu'il y ait encore plus de gens connectés. Donc ça aussi, ce serait bien. Et voilà quoi. Donc en tout cas, le jeu il est flippant, pas de problème. Bon, même si la plupart des combats que je fais c'est des défaites, hein, comme là, bon. Ça c'est autre chose, mais sinon non, le jeu il est là. Il y a même si on reste sur ce cast là, bon, il y a Warang qui est mon perso de base, mais je compte jouer Leroy, je compte jouer June, je compte jouer Jin, je compte jouer Kazuya. Donc ça fait déjà beaucoup de persos. Pourquoi pas Claudio? Parce qu'à la base, quand il avait été annoncé dans Tekken 7, j'aimais bien. Après, j'aimais plus. Et là, j'ai l'impression de re-bien aimer, tu vois. Bon, ben voilà. Donc, ça fait déjà pas mal de persos qui m'intéressent, mais je serais pas contre deux persos originaux qu'on n'a jamais vus dans Tekken avec au moins un style de combat inédit. Ça pourrait le faire. Et du bon contenu. Du bon contenu solo, donc avec l'éternel système de fantômes chasse au trésor, hein, dans Tekken 7. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la base de Tekken. Et pourquoi pas un truc un peu plus poussé, tu sais, genre un Tekken Force, mais un Tekken Force 2.0, quoi. Tu vois, un truc un peu plus poussé, vraiment fun à jouer. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà quoi. Allez, je m'arrête là.